peu Marx qui t'a fait bouffer. Donc le thème aujourd'hui c'est entre terre et ciel. Entre terre et ciel, je me bats avec l'esprit, avec les sens comme jamais pareil. Là où les problèmes sont dans ce qui est irrationnel, dans l'horizon au loin au fond du tunnel, la lumière, la clarté, la délivrance se fait jaillir en toute sa splendeur avec l'éternel, en toute transparence, à la lueur de la bougie. Car ici bas sur terre, là où la terre domine, même la cadence des chaînes à ciel vert, là où les âmes perdues succombent au péril de leur vie, dans un pain de violence, au péril de leur vie, dans un pain de souffrance. Imagine, ferme les yeux. Imagine, ferme les yeux. Où le silence t'emmène au profond de toi-même, sans aucun gêne, où la paix de l'intérieur te balance le cœur en douceur, dans un rayon de bonheur, où il n'existe plus de souffrance, de cris de douleur, du maître, d'un père déchiré par les balles, des rafales d'un automatique qui a meurtri son enfant devenu poussière, sous un voile blanc, une vie violée gratuitement. Là, ça manque, ça manque. Qui sert, savoir que nous vivons ici sous terre, suspendus sur le fil du rasoir, la mort nous tient au tournant, et ceux qui pensent qu'après notre dernier soupir, quatre coups, quatre planches, plus personne avec le temps, je suis conscient que le ciel en réserve de bonnes surprises, elle nous accueille, les bras ouverts, après notre jugement, jugement dernier, où le denier n'est plus qu'un roi, mais devient un pion dans l'échiquier, je ne sais rien, mais je suis qu'un orphelin. Un orphelin de la rue, un enfant de la tasse, de la mère clochard, du père alcoolique, du mère battue.